autre fils qui avait l'âge de Timé en me demandant mes cousins comment se nourrir. J'ai compris, au fur et à mesure de mes lectures, que ta promesse te permettait de tenir. Tu as promis à ton ange de te battre pour que cela n'arrive plus, pour que plus aucun parent n'ait à vivre cette torture. Ce combat, nous l'avons mené auprès de toi, Letty, de toi, Nati, et nous avons essayé de vous aider au mieux. Je vais résumer ces 5 dernières années qui sont remplies de beaucoup d'émotions, de beaucoup de doutes, mais de beaucoup d'amour, de beaucoup de joie à chaque pas franchi. Un an après l'accident, en avril 2008, un grand rassemblement avec un lâcher de ballon fut organisé à Autun. En novembre 2008, pour les 4 ans de Timé, la ville d'Autun a fait planter un cerisier japonais qui fleurira chaque année en avril. Plusieurs magazines comme Maman, Info Bébé, Maxi, Closer ont relaté l'histoire de Timéo et expliqué le combat. Des émissions de télé telles que Les Maternelles, Envoyé Spécial, Complément d'enquête s'y sont intéressées également et ont consacré un reportage à ce sujet. Des rassemblements hommages ont eu lieu à Lille, à Toulouse, à Lyon, à Liège. En septembre 2010, un concert fut organisé avec des artistes qui ont soutenu ce combat. Un grand merci à Raph, Té Angel et Manon Sulis. Il y a vraiment eu des rendez-vous à l'Elysée, le soutien de Madame Merli, de Monsieur Vanest. Nati fut même invitée à une garden party en 2011. La Lopsy, nous en avons passé des heures devant notre ordinateur, à écouter, surveiller, s'impatienter même des reports, et enfin crier de joie quand l'article Timéo fut adopté le 14 mars 2011. Enfin, le permis serait retiré immédiatement à la personne impliquée dans un accident de la route ayant entraîné un décès. En octobre 2011, une marche pour les victimes de la route a lieu à Thouars. Une marche réunissant des parents, des amis ayant perdu un proche victime de la route. Le 30 novembre 2011, un signe peut-être puisque jour de l'anniversaire de Timé, vous êtes invité, Letty Nati, par M. Sarkozy, à la remise des écharpes d'or de la prévention routière. Le 26 juin 2011, Letty, tu as la gentillesse de nous recevoir chez toi pour une grande partie d'entre eux. Merci. Et enfin, une belle et douce lueur apparaît, comme tu l'as si bien dit, Letty. Le 29 juin 2012, jour de ton anniversaire, la publication au journal officiel de la fin du permis à vie à compter du 19 janvier 2013. Le permis ne sera dorénavant délivré que pour 15 ans. Une prochaine circulaire précisa les conditions pour ce renouvellement, espérant une visite médicale. Tu as écrit, Letty, pour toi mon fils, pour ma promesse, me voilà quasi soulagée de ce long et usant combat qui se voit prendre fin. Alors oui, aujourd'hui nous sommes tous réunis pour un dernier hommage à Timéo, même si je déteste ce nom. Timéo. Timéo fera toujours partie de toi, de nous, et nous avons appris beaucoup avec ce combat. Je finirai avec tes mots, Letty, des mots que tu n'as cessé de nous faire prendre conscience. Je n'ai qu'une envie, c'est de vous crier à quel point vous devez profiter de chaque instant, de chaque événement, de chaque rire, de chaque pleur, car tout cela est unique et précieux, au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Merci, au revoir Timéo, et tu resteras à jamais dans nos cœurs. Voilà, on dit que la solidarité n'existe pas, mais si, vous êtes tous là. On n'a pas le soleil dans le ciel, mais vous êtes notre soleil aujourd'hui. Notre petit ange, je pense, j'espère, là, on va nous voir tous ensemble. Il a créé beaucoup de rencontres, beaucoup d'amitié. Et je vous demande une chose, continuez, vous êtes génial. Merci. J'ai posé la question longtemps de savoir si j'allais pouvoir vous parler aujourd'hui, ce que j'aurais à vous dire. En fait, j'ai trop de choses dans mon cœur et dans ma tête. Le combat prend fin, ça me fait très très peur. Mais depuis 5 ans et demi, vous êtes là. Vous m'avez toujours soutenu. Vous avez pris le relais quand moi j'ai baissé les bras. Vous m'avez sorti la tête de l'eau bien souvent. Parce que chaque petit mot, aussi anodin puisse-t-il paraître pour moi, son importance. Chaque personne est là. Chaque personne pense à mon fils et quelque part, c'est un lien qui nous unit encore. Ça me fait très peur que ça s'arrête, mais de tout mon cœur, je vous remercie d'être venu aujourd'hui. Je vous remercie de votre soutien, d'y avoir cru.
a lieu aujourd'hui est une journée particulière puisque c'est la journée mondiale des victimes de la route. Alors je voudrais qu'on ait une très belle pensée pour toutes les personnes qui ont perdu la vie un jour sur la route. Merci du fond du cœur pour eux. Merci pour tout. Je voudrais remercier tous les gens qui sont venus aujourd'hui, tous les gens qui nous ont aidés aussi à faire ce projet, toutes les équipes autour de moi qui se sont créées. Je voudrais remercier Valérie et Fred qui ont créé toute la communication de l'événement d'aujourd'hui. Je voudrais remercier Steph, Aurélie, Adeline, Amandine pour tout ce qui est presse, pour tout ce qui est sonorisation. Merci vraiment à tout le monde pour avoir donné ce coup de main-là. Je voudrais remercier le major Pichonnier et tout le service de la préfecture de police de Paris parce que c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. C'est eux qui nous ont donné les autorisations et je voudrais vraiment, vraiment les remercier de nous avoir donné ces autorisations-là parce que sans eux, on n'aurait pas pu être là aujourd'hui. Je voudrais remercier tous les artistes qui sont venus aujourd'hui. Vous êtes trop nombreux pour être nommés. Je voudrais remercier Sam, je voudrais remercier Léna, je voudrais remercier Alexandra, tous ceux qui sont là et qui ont pris le temps de se déplacer aujourd'hui pour cette cause et merci à vous de la soutenir. On est très heureux de vous soutenir en échange. J'ai rien préparé donc c'est très difficile de soutenir le film. Je voudrais surtout donc, bien sûr dédier ce lâcher de ballon à Timéo car c'est pour lui aujourd'hui, à toutes les victimes de la route. Et je voudrais juste faire une petite parenthèse, je voudrais dédier ce lâcher de ballon également un petit garçon qui nous a quittés cette semaine d'un cancer. Un petit garçon dont les parents nous ont beaucoup soutenus. Et donc, ce lâcher de ballon aussi pour Isaac aujourd'hui, qui est parti jeudi des suites d'une tumeur au cerveau. Donc, merci pour lui également. David played and it pleased the Lord, but
say to you. But it goes like this: the fourth, the three, the minor four, and the major league, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Helping hand. We are the world.
There's a choice we're making.